Ouais, Romain Racine fait figure de favori. Il sort d'ailleurs en tête le champion de France. Cadet de l'année dernière à la corde. Il y a Félix Derache, auteur également d'une bonne première ligne. Ouh, maintenant l'intérieur. C'est Thomas Gant qui vient s'emparer de la troisième place au détriment du pilote de Alexandre Socha du Nord Bélix. Le champion de France en titre semble intouchable aujourd'hui à Vesoul. Romain Racine. On va s'intéresser à la deuxième position. C'est Félix Derache. Il finira malgré tout sur la troisième marche du podium.